Mesdames et messieurs, amis spectateurs, encore une fois, merci de votre fidélité à Espace Républicain. Voilà, nous sommes revenus pour ce deuxième numéro. Nous vous avons promis de revenir. Si vous, vous nous demandez de revenir, nous sommes là sur insistance de l'ensemble des réactions que nous avons recueillies depuis notre première édition. Je suis donc heureux de retrouver aussi les différents confrères sur ce plateau. Nous regrettons simplement que l'un d'entre nous n'est pas là, mais il va certainement nous rejoindre dans la prochaine émission. Je voudrais donc, avec votre autorisation, revenir encore sur la présentation des invités de ce jour. Je commence donc par la droite, Freddy Moulumba. Je l'avais présenté la fois passée comme politologue et analyste politique. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais je préfère chercheur. Freddy Moulumba est journaliste et responsable des médias, mais comme une fois, encore une fois, il interviendra comme chercheur et surtout comme politologue. Bonsoir Freddy Moulumba. Bonsoir cher ami. Merci donc d'être là. Merci aussi à José Nawej, éditeur responsable de Forum des As, un des grands journalistes que nous avons dans ce pays, surtout en matière d'analyse et surtout de background. Bonsoir José Nawej. Bonsoir Willy. John Gomboa, directeur des informations d'Antenne 1. Bonsoir John. Bonsoir Willy, bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent sur les différents médias ou cette émission. Voilà, donc Bruno Bolisson, responsable d'une agence en communication, mais surtout aussi producteur d'une émission qui prend l'âme parlementaire, c'est Après la plénière. Bruno Bolisson, bonsoir. Bonsoir Willy, bonsoir à tous. Merci. Voilà, nous avons la fois passée abordé plusieurs thèmes. Aujourd'hui, nous allons aborder le même thème que nous avons déjà annoncé qu'un pays, pour se développer, a besoin d'une vision générale. Mais cette vision doit devenir un plan stratégique. Parce que la stratégie étant l'ensemble des moyens conçus pour arriver à un objectif. Ces moyens peuvent être politiques, économiques, culturels, humains, intellectuels. Ces moyens existent dans une certaine cohérence. Et nous avions pris un cas la semaine passée, nous avons dit notre pays qui a une vocation de puissance, doit trouver ses voies, mais surtout aussi ses actions. Et nous avons recueilli plusieurs réactions par rapport à la première émission. Plusieurs personnes nous ont dit que c'était en général, les débats étaient d'un niveau appréciable. Je voudrais vous féliciter pour la qualité du débat, semble-t-il, que nous avons offert à notre population. Mais ils nous ont demandé d'approfondir pour que nous puissions arriver à déterminer ensemble les schèmes moteurs qui peuvent situer notre population. Alors aujourd'hui, avec votre autorisation, nous allons dépasser les niveaux de l'annonce simplement du plan stratégique pour voir le rôle des différentes composantes dans notre société. Pour qu'un plan stratégique puisse se mettre en branle, il faut que chaque partie de la société joue son rôle. C'est comme dans une équipe de football, chaque joueur a sa place. Et avec un bon coach, avec un plan de travail, on peut arriver à un résultat. Alors Freddy Moulumba, avant qu'on aborde le thème, j'aimerais quand même que vous puissiez réagir à l'émission elle-même. Vous avez été l'un des piliers de cette construction de la fois passée. Quelles ont été les réactions que vous avez enregistrées par rapport à cette prestation-là? Et l'attente surtout de la population? Oui, je n'ai pas eu beaucoup, mais il y a certains qui m'en ont parlé. Ils étaient au moins très contents du fait que l'émission était équilibrée. Il n'y avait pas de yalélo, tous ces flatteurs, toutes ces flatteries-là. Les gens étaient très contents de voir qu'il y avait l'argumentaire qui tenait debout. Merci. Et voilà, vous prenez donc la parole pour commencer. Aujourd'hui, je l'annonce encore. Notre pays s'est donné avec le monde entier parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle l'objectif pour le développement durable. Donc c'est ça même l'objectif qui est visé par les Nations Unies. On était d'abord à l'OMD, maintenant on est à un autre objectif. Le Congo peut-il se doter d'un plan stratégique et quelles sont les conditions de son appropriation? Aujourd'hui, il peut être conçu par les présidents. Il peut être entériné par les parlements, il peut être écrit par des députés ou par des universitaires, mais quelles sont les conditions de son appropriation, Freddy Moulumba? Oui, cher ami, je pense que le plan qui est élaboré par le président est très clair sur certains points, mais ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est
de faire ce qu'on peut appeler état des lieux. Pourquoi depuis très longtemps ces plans ont toujours échoué? Il y a un professeur belge, je ne sais pas si c'est encore vivant, Jean-Philippe Pémans, qui est professeur à Louvain-la-Neuve. Il a publié un ouvrage, c'est vieux, je pense que c'est en 1997, sur les Zaïre, intitulé « Crise de la modernisation et pratiques populaires aux Zaïre en Afrique ». C'est préfacé par Benoît Verhagen. Il fait un peu un état des lieux de tous les plans de développement conseillés par nos amis occidentaux. Lui, il est marxiste, il n'est pas dans cette vision capitaliste, idéologique. Il arrive et il se pose une question. Il dit, à ce stade, donc, en faisant un peu l'état des lieux, on peut donc se demander si c'est l'Afrique qui est en panne ou c'est la pensée unique de l'Occident qui est bloquée. Donc, il a constaté que c'est l'échec. Pourquoi l'échec? Parce que nos amis occidentaux, dans leur vision de domination, imposent toujours des concepts ou bien des programmes. Vous vous rappelez avec, comment on appelle ici, après les discours sur le développement, vous avez eu l'ajustement structurel. Généralement, on ne fait pas l'état des lieux. Pourquoi ça a échoué? Mais à chaque moment qu'un plan arrive, à la fin, on invente toujours. Hier, c'était croissance économique. Maintenant, on commence à parler de croissance inclusive. Mais on ne dit pas pourquoi la croissance a échoué. Donc, on est en train d'inventer des concepts et des plans pour nous endormir et entretenir une domination. Donc, il est grand temps que les Africains prennent conscience. J'ai dit la fois dernière, nous sommes dans un tournant historique. Les peuples qui ne seront pas organisés, qui ne sauront pas identifier leurs intérêts, ils risquent de rester dominés éternellement par les autres. Hier, c'était les Occidentaux, la Banque mondiale, les fonds monétaires. Demain, ce sont les multinationales. Les multinationales n'ont pas d'état d'âme. Ou bien on fait les affaires, ou bien on ne fait rien. J'ai amené notre livre, toujours pour parler de tout ce que les Occidentaux et les Occidentaux nous conseillent. Ça, c'est une Africaine, Dambisa Moyo. Elle est zambienne. Il a publié L'aide fatale, les ravages d'une aide inutile et nouvelles solutions pour l'Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, je vais vous lire un peu, c'est que l'avant-propos d'un grand intellectuel américain, Niall Ferguson, il dit ceci. Depuis longtemps, je trouve discutable et même embarrassant que des blancs et des non-africains pilote pour une très large part les débats concernant les problèmes économiques de l'Afrique. Depuis les économistes Paul Collier, William Estrel, Jeffrey Sachs, jusqu'aux stars du rock Bono, Bob Geldof, on observe une colonisation de la discussion sur l'Afrique comparable à celle du continent africain un siècle plus tôt. Ça signifie quoi? Les autres conçoivent, ils sont nos problèmes, ils veulent nous imposer. Donc nous nous apparaissons pas comme des acteurs, hein, nous sommes comme des vauriens, des gens qui ne valent pas la peine. Donc l'Occident, qu'on soit, il vient nous imposer, et comme d'habitude, les gens jouent léger, ils font semblant qu'on veut le développement, on veut la démocratie, mais en réalité, c'est autre chose, d'où l'échec. Donc le moment est arrivé que les Africains conçoivent leur propre plan. C'est ainsi qu'il y a quand même un grand Africain qu'on appelle Paul, c'est un Camerounais, Paul Focam, lui, il est clair, il dit à l'horizon 2050, l'Afrique sera une Afrique de prospérité. Mais à quelles conditions? C'est ça la question. Si tu permets encore, je peux te donner... Non, c'est le début. Essayez ok, donc on va continuer. Pour parler de Focam, parce que vous l'avez cité, certainement que les téléspectateurs veulent savoir, ouais. Et épouser la pensée de Focam. Focam, c'est un homme d'affaires camerounais, il a beaucoup d'argent, ce n'est pas un intellectuel de bureau. Hein, lui, il fait les affaires. Il dit ici que les Africains doivent opérer une révolution mentale afin de résoudre leur crise de confiance. On est aliéné par la colonisation. Et partout que la Banque mondiale nous impose, on est toujours avec la main tendue alors qu'on est assis sur une mine d'or. Il faut définir les conditions d'une radicale mutation. La confiance en soi,
le travail et le savoir. Et pour le savoir, il insiste beaucoup plus sur les technologies de l'information et de la communication, et de la communication, la nanotechnologie, la biologie, les mathématiques et le management. Si on veut ce que ça change. Il dit que, excusez-moi, que l'Afrique doit se rendre compte qu'il serait un leurre de continuer à singer la démocratie occidentale. La démocratie africaine étant l'une des plus élaborées dans que le monde ait connu, l'Afrique regorge une démocratie où la décision est consensuelle et évite de diviser les peuples en deux parties, permettant de créer un climat de confiance et de prospérité. Ça signifie quoi? L'Afrique doit produire sa propre pensée, doit prendre son destin en main. Et pour cela, il faut des penseurs. Parce que les hommes politiques ne pensent pas, ils agissent, ils décident. Il faut des penseurs qui produisent une pensée autochtone, autonome, mais une pensée qui est ouverte, sur le monde avec la mondialisation. Merci Freddy Moulumba, vous l'avez constaté. Il nous a offert là beaucoup de matières qui vont nous permettre maintenant de débrayer très bien sur la question de départ. La question de départ, comment nous approprier un plan stratégique que nous mettons en place pour notre développement. Freddy Moulumba parle de la colonisation de la discussion. Elle est colonisée, ça signifie que vous discutez des choses parce que les autres les ont mâchées et vous devez les avaler. Il parle de la révolution mentale et j'aimerais demander à José Nawej, qui lui a souvent les clés de la dialectique pour pouvoir décortiquer ce genre de pensée. Évidemment, on peut dire, mais les Africains se plaignent, qu'ils sont dominés, mais qu'est-ce qu'ils font-ils en place? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, quelle est votre lecture de la question posée en prenant compte de ce qu'a dit Freddy tout à l'heure? Oui, Willy, on est là en plein dans ce qu'une fois Eleanor Roosevelt avait dit, et je commence par là, il avait dit, les petits esprits parlent de gens, les esprits moyens discutent des événements, et les esprits supérieurs, donc les grands esprits, discutent des idées. Le problème, Freddy a commencé à le dire, plus nous discutons des idées, mieux c'est pour une société. Mais ces idées dont nous devons parler, c'est des idées qui questionnent notre existence. Ça veut dire, vous parliez d'appropriation de tous les plans. Mais tous ces plans, justement, se sont vécus comme des plans prêts à porter. On n'a plus besoin des solutions clés en main. On a besoin des solutions qui partent de notre tréfonds, qui partent de notre fort intérieur. Et de ce point de vue, parce que pour être concret, il y a un plan qui nous a été présenté, nous étions tous là. On nous a dit que ce plan partait des réalités du pays. Que les Coréens venaient comme pour coacher quelque chose, mais de foncièrement congolais. Une chose est d'élaborer un plan. Une autre, et c'est le plus important, est de la démocratiser. C'est-à-dire de faire en sorte que ce plan-là soit dans l'espace public de discussion. Et c'est là, justement, qu'il y a beaucoup d'interactions qui surgissent. Dans un pays, les débats qui portent autour des idées, c'est de dire, nous, Congolais, où est-ce que nous sommes? Pourquoi nous sommes là? Que faire pour partir de là vers un ailleurs meilleur? C'est la question fondamentale. Mais si nous voulons que les autres définissent où nous sommes, et cela dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la démocratie. D'ailleurs, c'est le domaine principal. Nous devrions savoir, nous, définir la démocratie, ça veut dire quoi chez nous? Est-ce que nous avons besoin de quel type de société? Nous avons besoin de quel type de développement? Parce que le développement n'est pas le même selon que l'on est en Asie, en Afrique, et les Asiatiques nous ont donné la meilleure des illustrations parce qu'ils se sont développés sur base de leur réalité. Et donc, je crois, et Freddy a raison quand il cite le Camerounais, Focam, il a raison en ceci,
c'est que maintenant, le challenge essentiel pour nous, Congolais, je ne parle pas de politique, je parle des Congolais. Le challenge essentiel, c'est s'il y a un plan, comment nous l'approprier? Comment l'échelonner dans la durée? Comment le dépersonnaliser? Il ne faudrait pas que le plan renvoie à une personne. Il ne faudrait pas qu'un plan renvoie à un parti, à un groupement, etc. Un plan de développement doit concerner tout le monde. Vous savez, je vais m'arrêter là. Quand vous prenez les sociétés occidentales qui sont développées, mais ces sociétés-là se sont développées non pas sur base d'une logique contre une autre. Ils se sont développés sur base d'un consensus par rapport au progrès. Maintenant, le débat qu'on organise, c'est pour voir comment réguler, comment rectifier ce qui a rectifié, mais sur base d'un tronc, il y a un tronc commun sur base duquel, autour duquel gravitent toutes les réflexions. Et ici, je crois que nous sommes à ce stade-là où nous devrions faire en sorte que le plan de développement qui est le nôtre, qu'il soit le dénominateur commun. Et que maintenant, à partir de ce plan, tel peut dire, moi je trouve que ce plan est un peu trop orienté vers tel secteur plutôt que vers tel autre, mais qu'on se mette d'accord quand même sur quelque chose, c'est sur le plan. Et que chacun maintenant dans son domaine, les scientifiques dans le leur, nous la presse parce que nous avons un rôle important à jouer dans le nôtre, etc. Bref, tous les acteurs du corps social, que chacun, à son niveau, à leur niveau, soit intéressé par ces plans. Merci José Nawej. Je retiens, José, que d'abord, Freddy a dit effectivement que nous devons produire la pensée congolaise. Donc, il faut des penseurs. Parce que les penseurs, c'est eux qui parlent des idées. Oui. C'est eux qui élaborent les idées, qui les alimentent et qui proposent ces idées-là à la consommation de la population. Alors, Bruno Mbolisson, dans un contexte comme celui-là, quelle pourra être votre réaction? Nous sommes toujours sur la même question d'appropriation. Il est vrai que les deux amis ont parlé non seulement des penseurs, mais aussi de la démocratisation, en disant dépersonnalisons. On ne peut s'en approprier qu'en dépersonnalisant, et on ne peut dépersonnaliser qu'en mettant les idées en premier. Si j'ai bien compris la trilogie de José Nawej. Quelle est votre lecture? D'abord avec Frédéric Mouma, puis avec José Nawej. Comme je l'ai dit l'autre fois, le plan a été très bien élaboré. Mais il faut maintenant qu'il soit partagé, correctement diffusé sur l'ensemble de la population. Donc il faut une concertation verticale autour de ces plans. Il y a des dimensions cardinales sur lesquelles on ne peut pas discuter. Je vais donner l'exemple de la nation américaine. Qu'un président américain qui arrive soit démocrate ou républicain, il y a des valeurs cardinales sur lesquelles on ne négocie pas. La première valeur, c'est d'abord le mieux-être des Américains. Quand on parle du taux de niveau de croissance, un président américain ne viendra jamais pour programmer la récession. Il va maintenir ou augmenter les taux de croissance. Il va réduire le chômage. Ce sont des valeurs cardinales, on ne discute pas. La deuxième valeur, c'est la suprématie américaine. Il doit tout faire pour que l'Amérique reste la toute première puissance du monde. Et si l'Amérique perd ses places, donc c'est un mauvais président, on va utiliser tous les mécanismes pour l'affaiblir et même l'éliminer. Et la troisième valeur, c'est qu'il va tout faire pour que l'Amérique, tout en restant la première puissance du monde, garde son influence à travers le monde. C'est là la valeur d'un secrétaire d'État américain, par exemple, qui est l'équivalent pratiquement du premier ministre d'autres pays. Donc, le plan, ayant été bien élaboré, je le considère comme un film. Un film, le scénario est bien écrit, il peut être bien écrit, mais pour que ce film-là ait des retombées, apporte ses fruits, il faut qu'on trouve des bons acteurs pour la matérialisation de ce scénario qui a été bien écrit. Donc, il faut que ces plans soient partagés. Je donne un exemple. J'ai cité l'autre fois le paragraphe qui dit que le plan devait être partagé par des masses laborieuses. L'autre fois, on a longuement parlé avec José Nawes que
c'est pas seulement la classe politique, c'est pas seulement l'élite, mais la base aussi a un mot à dire dans les changements de mentalité, dans le progrès des nations. Et il faut que ces plans soient partagés. Et là, c'est là où la communication intervient. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui, qui a l'obligation historique de bien diffuser ses plans sur l'ensemble de la population, a compris la nécessité de le faire? Nous allons, je vais chuter par là, au-delà des séquences de pages magazines qui peuvent être balancées par-ci, par-là, je pense que compte tenu du niveau très bas de la consommation télévisuelle et même médiatique de la population, il faut des communications de porte à porte. Il faut organiser des conférences débats dans des universités, dans des écoles, pourquoi pas dans des hôpitaux, pour expliquer ce que nous voulons faire du pays. Plans, et ça peut être facilement approprié. Là, je sens le communicateur, les stratèges en communication, en plan marketing, médiatique, qui est déjà très avancé. Mais nous reviendrons un peu plus dans le détail tout à l'heure par rapport aux différents acteurs, parce qu'on ne peut pas focaliser le devenir d'une nation sur un gouvernement. Un gouvernement, c'est quand même une portion, même si elle est déterminante, mais pas totale pour une nation. Un gouvernement, ça passe très vite. Alors, John Ngombwa, sur la même question de l'appropriation, quelle est votre lecture? D'abord que ce plan est nécessaire. Il faut. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en langage informatique les softwares. Chaque nation doit avoir son software, ses codes qu'on retrouve dans n'importe quel secteur de la vie. Vous vous rendez compte que ce domaine est lié avec cet autre parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et ici, dans notre pays, ça nous a beaucoup manqué. Les softwares, cette intelligence intrinsèque manque beaucoup. Alors cette intelligence provient d'abord des propositions. Il y a eu cette faiblesse. Bon, je ne veux pas stigmatiser la classe politique, mais nos débats politiques se font sur quoi? Ce n'est pas sur une vision de la société. Sur les événements et sur les personnes. Ce n'est pas sur une vision de la société. Et donc, moi, je pense que ça, c'est une première pierre qui est posée, quitte à construire autour ou à proposer d'autres pierres, mais en fait, c'est celle-là. Alors, pour s'en approprier, cette pierre énerve quelque part parce qu'elle est considérée comme étant la pierre angulaire d'une construction qui gêne politiquement. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que ce plan va être attaqué. Il va être attaqué parce qu'on le considère comme un cheval de Troie. Alors, mais il faudrait donc qu'on communique sur le fait que nul n'est éternel, hein. Ce plan, il est vision 30 ou 50 ans. Moi, je ne sais pas qui d'entre nous sera dans 50 ans. Je ne sais pas qui d'entre nous sera dans 50 ans. Donc, quelque part, il faut quand même un minimum d'humilité pour qu'on se dise, voilà, nous, l'élite, nous passerons et ce pays va rester. D'une part, ça c'est la communication au niveau de l'élite pour s'approprier de ces plans. Parce que c'est souvent l'élite qui est les troubles faits. Hein. Il emballe la population selon ses propres visées. Après, il y a une communication, en fait une appropriation au niveau de la base qui doit être faite. Parce que la base a, la population je veux dire, interprète parfois de manière fataliste tout ce qui se passe. Bon, après tout, ce pays ne m'appartient pas, moi je n'y peux rien, ainsi de suite. La population se considère comme étant aujourd'hui une sorte de boulet que les politiciens tirent. Voilà. Il faut parvenir donc par rapport à l'appropriation de ces plans, à l'intégrer, à les concerner, à comprendre que n'importe quel politicien, intelligent ou sage qu'il soit, il ne peut pas se passer de l'apport des 80 millions de cerveaux. On en a besoin, ou des 80 millions de fois deux, des bras, ainsi de suite. Donc, il faut faire ce travail d'appropriation au niveau de la base et au niveau de l'élite, afin que tout soit démystifié. En tout cas, pour me résumer, un plan stratégique ou un plan de développement d'une nation, nous en avons besoin et notre pays en a besoin parce qu'il manque énormément. Et celui-ci est le premier. Donc, merci John Ngombwa, vraiment merci, parce que je retiens le mot software, l'intelligence
de connexion, parce qu'un pays doit être connecté à lui-même. Il doit être relié à ses lieux, à ses enjeux stratégiques. Alors, évidemment, cette émission d'aujourd'hui, je vous ai dit que nous allons aborder maintenant la question difficile, la question de l'autocritique, parce que c'est celle-là qui va nous permettre d'aller de l'avant. Nous sommes tous d'accord qu'un plan stratégique de développement, pour qu'il soit, qu'on s'en approprie, il faut d'abord que l'on sauvegarde les idées qui sont dedans, les idées qui sont en réalité le carburant d'une société. Sans idées, il n'y a pas de penseurs. Sans penseurs, il n'y a pas d'idées. Donc, les penseurs ont un rôle. J'en cherche beaucoup, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Les politiques ont un rôle parce qu'ils doivent jouer le rôle d'agir, de développer des politiques publiques en rapport avec les softwares que nous avons décidés. Il y a les activistes qui ont un rôle, qui doivent veiller à ce que les promesses qui ont été d'une certaine manière tenues par rapport à la population, ces promesses soient tenues et ils défendent des causes particulières pour que plusieurs activistes reviennent finalement à arriver les politiques. Il y a les scientifiques, les chercheurs, parce que le plan doit évoluer aussi avec l'évolution des technologies, de la science et surtout du monde tel qu'il évolue. Je vous le cite parce que vous allez maintenant là me dire quel doit être le rôle de chaque composante. Parce que notre pays a souffert, vous l'avez dit, d'un mélange de genres. Mais il y a aussi la presse. Par là, nous allons commencer. Quel doit être le rôle d'une presse dans une société qui se veut une société connectée à sa propre énergie? C'est une énergie de développement. Nous voulons mobiliser le peuple pour le développement et nous voulons le mobiliser pour une longue durée. C'est ça le plan stratégique. Comment le faire et comment faire par composante? Alors maintenant, je vous pose la question. Chacun répondra à sa manière. Nous avons les penseurs. Quel rôle ils donnent aux penseurs? Comment ils agissent aujourd'hui? Nous avons les politiques. Quel rôle ils doivent jouer? Nous avons les activistes, parce que nous voyons souvent certains activistes prendre la place des politiques. Et nous avons déjà vu des scientifiques prendre la place des penseurs ou des activistes. Et nous avons déjà vu des maîtres spirituels faire le rôle des politiques. Donc, le mélange de genres a créé la confusion. Et la confusion, nous sommes dans la difficulté d'aujourd'hui. Alors, nous commençons. Donc, vous avez compris la question. Elle est assez longue. Mais chacun de vous réagit selon sa sensibilité. Freddy Mouloum. Oui, merci beaucoup, Willy. Je prends un exemple. On était à New York, à l'Université de Columbia, Columbia University. On était 8 Africains, on était reçus par un professeur africain, d'origine sénégalaise, Mamadou Diouf. Diouf, en nous parlant, il dit, l'Afrique là, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Il est un peu pas fataliste, mais il est déçu. Il nous prend l'exemple de la Chine. Il y a un Camerounais qui lui a raconté ce qui s'est passé avec les Chinois. Donc, vers les années 78, le président, celui qui a commencé avec la... Deng Xiaoping, qui a commencé à faire la réforme de l'ouverture, il avait besoin d'experts. Il y a des gens de la Banque mondiale, la plupart des intellectuels occidentaux, des économistes sont partis. Il fallait libéraliser l'économie, pas c'était un État centralisé, communiste. Les Chinois ont regardé, ils ont dit, mais il faut donner 2 jours. Pour réfléchir. Les gens sont partis. Ils ont réfléchi, ils sont rentrés. Ils disent non. Nous, on n'a pas de capitalistes ici. Tout le monde était dans le communisme. Donc, on ne peut pas libérer les choses comme ça au hasard. Nous proposons ça. Donc, on va décentraliser, on va progressivement jusqu'à ce qu'on crée notre propre capitaliste, donc, les propres hommes d'affaires. Parce que si on libéralise tout, donc les étrangers vont mettre la main sur l'économie chinoise. Parce que c'est eux qui ont l'expérience et ils vont être les meilleurs. Exact. Maintenant, en prenant cette image, c'est pour donner l'image de l'Afrique. Quand les experts internationaux arrivent ici, nous sommes à genoux, quelquefois nous sommes couchés, en train de pleurer, demandant. Donc nous sommes incapables de discuter avec ces gens pour leur dire, regarde les intérêts du Congo. Donc il y a de notre côté ce que je peux appeler une aliénation mentale. Nous sommes des gens qui ont peur les blancs. Donc ça c'est du côté de l'homme politique. Mais ce qui est grave, la plupart des hommes politiques n'ont pas de respect
pour les intellectuels. Quand un problème congolais qui se pose ici, on préfère avoir un expert qui vient de l'étranger, tout le monde est derrière. Et surtout quand il est blanc, on pense qu'il connaît plus que les noirs. Donc il y a cette aliénation-là qui est restée. Nous sommes déjà complexés. Donc ça, c'est du côté zone politique. Mais il faut aussi reconnaître que nos intellectuels, pour la plupart, ils reprennent les discours du monde occidental. Aujourd'hui, on parle de bonne gouvernance, pour pas de diversité, ça devient un cours d'économie. Alors que cette histoire de bonne gouvernance, c'est idéologique. C'est la, la pensée de domination. Donc l'idéologie néolibérale. Nous nous reprenons, ça devient scientifique. Donc nous gobons tout. Donc, le problème est en nous. Donc, alors soyons un peu positifs. Je sais que vous êtes un homme touché par les déficits, mais soyez un peu plus positif. Proposez, parlons des penseurs, hein, je parle plus des penseurs. Comment les penseurs peuvent contribuer à l'émergence, à l'appropriation d'un plan, d'une connexion internationale? Parce que moi je parle des plans stratégiques comme d'une connexion à l'énergie du développement, l'énergie nationale. Oui. Ce que John a appelé ici les softwares. Comment les penseurs, je parle d'abord des penseurs, comment ils font? Ils publient des livres, ils font quoi? Non, il faut d'abord une division du travail. D'accord. Il y a ceux qui pensent et ceux qui agissent. Nous avons les intellectuels, les penseurs et les politiques. Maintenant, il faut qu'il y ait une demande chez les politiques. On peut demander, prenons un exemple aujourd'hui, on veut construire un barrage. Nous avons Polytech. Il y a des grands professeurs là-bas. Vous demandez un travail. On vous fournit. Ce travail par les penseurs. Mais le drame dans notre cas, ceux qui sont en politique estiment que les hommes qui font la science sont leurs opposants. Vous voyez? Ils pensent que ces gens vont prendre leur place. Ils le combattent. Et pour ça, ils ont besoin des étrangers qui peuvent s'accommoder avec eux. Qui ne leur feront pas la concurrence. Ah, la concurrence. Donc, si vous avez un économiste étranger qui vient ici, il ne va pas dire que je deviens aussi ministre de l'économie. Mais quand vous avez un professeur d'économie qui me dit le dossier demain matin, on peut l'appeler pour travailler. Donc, le président pourrait l'aimer ou demander son CV. Ça pose un problème. Donc, il faudrait qu'il y ait une collaboration entre ceux qui pensent et ceux qui agissent. Il faut la séparation. Mais les drames aussi chez les penseurs africains et congolais aujourd'hui, tout le monde veut faire la politique. On ne comprend rien. Je crois que ça va être bien défini par José. Oui, José qui les fréquente tout le temps. Cette maladie des politiques. Par obligation professionnelle, bien entendu. Oui. Non, je voudrais justement commencer par là, parce que Willy, tu as parlé de penseurs, tu as parlé d'intellectuels. Notre ami John a parlé de l'élite. Je crois que là, nous avons un problème conceptuel. D'abord, avant d'arriver dans... C'est que chez nous, par nécessité sans doute, la frontière maintenant entre élite, professeur et les autres corps devient un peu ténue dans le sens de petit. Oui, c'est quoi le problème? Regardez dans nos médias, tout le temps, c'est professeur Willy Kalengai et maître John Gombo. Docteur, ingénieur Freddy Moulumba. Mais vous savez, nous ne mesurons pas l'impact terriblement négatif de ce que nous faisons. Parce que quand je dis que je m'adresse au professeur Willy Kalengai, ça veut dire que Willy Kalengai incarne une espèce d'argument d'autorité dans le domaine où il est maître. Or, très souvent, les gens qui se présentent professeurs ceci, ils ont cessé d'être professeurs stricto sensu pour être hommes politiques. Et quand ils posent des actes, ils posent des actes comme hommes politiques. Mais on écrira toujours professeur ceci, professeur là. Donc ça crée une confusion des genres. Il y a la notion que nous connaissons tous des rôles et des statuts. C'est en fonction de tel rôle que je joue tel statut. Willy Kalengai, il est ici le journaliste. Il est chez lui, il n'est pas journaliste, il est parent. Alors, quand vous êtes dans l'arène politique, quel que soit le nombre de diplômes que vous avez eu, vous êtes un homme assumez-vous politique. Comme homme politique. D'entrée, je n'entre pas dans ce débat, ce n'est pas le sujet. Quand vous parlez de la Constitution, pour ou contre la réforme de la Constitution, ce n'est pas ça le débat, mais au moins, assumez que non, ma position là, je la donne comme membre de tel parti. Comme partisan de tel groupe. Parce que il ne faudrait pas user du. D'autorité de professeur. Oui. Puis je suis constitutionnaliste. Et ça pose un problème. Maintenant, nous sommes dans un mélange de genres terrible. Quand on parle de l'élite, mais quelle élite?
Mais si vous allez sur nos campus universitaires, ici à Lubumbashi, partout, à Kisangani, il y a des hommes de science, il y a des scientifiques, il y a des professeurs, c'est-à-dire des gens qui ne font que la production de la pensée, qui ne font qu'enseigner. C'est à cela que moi je pense prioritairement. Je ne pense pas aux cols blancs qui sont en ville, professeur, il a défendu depuis 1976, c'est très sympathique tout ça, mais depuis 1976, il ne produit plus. Ou quand il ne produit plus dans les schémas scientifiques, il fait des productions intéressées. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et ça, c'est quand même une responsabilité, sans vous couper, de nous, la presse. Mais j'ai commencé par là, parce que nous les appelons toujours. C'est nous qui faisons ça. Et oui, je crois que c'est extrêmement important. Vous savez, par exemple, on peut prendre la France, on peut prendre la Belgique, mais le trois quarts des dirigeants français, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, ils ont fait Polytech, etc. Donc, c'est des avocats, c'est des inspecteurs de finances, c'est des professeurs d'université. Mais vous ne verrez jamais Maître Sarkozy. Mais pourtant, il est avocat. Mais quand Sarkozy pose des actes comme homme politique, pourquoi on doit mettre Maître? Là, c'est notre... Donc, Dominique Strauss-Kahn. Voilà, il est professeur d'université. Il est professeur, mais jamais on met professeur. Ou bien, ou bien celui qui était premier ministre de... le meilleur premier ministre socialiste, là. Lionel Jospin. Il est professeur. Bref. Mais on ne dira jamais professeur Lionel Jospin. C'est pour éviter la confusion des genres, justement. Parce que quand il se produit comme homme politique, ce qui est noble, par ailleurs, il ne faut pas qu'on comprenne à l'envers ce que nous sommes en train de dire ici. Ici, il faut se produire de manière claire. Et ce débat, on est vraiment dans le débat parce que vendre un plan, exécuter un plan, mettre en œuvre, c'est inventorier les acteurs qui concourent à la matérialisation du plan. Quels sont les acteurs dans un pays? Qu'est-ce qu'un pays? Qu'est-ce qu'un pays par rapport à un programme de développement? Un pays, c'est un corps social où les différents compartiments ont des passerelles. Il n'y a pas de pays. J'entends par là ceci, que quand un homme politique, Freddy l'a dit, un homme politique fixe un cap. Il ne lui a le cap là, ça signifie qu'au départ il y a une pensée. Il fixe un cap, il faut mettre ça en musique. Il y a des acteurs pour mettre ce cap en musique. Mais quand il n'y a pas de passerelle entre notre production scientifique, qui est là dans nos universités, dans nos centres de recherche, il n'y a pas de passerelle entre cette production scientifique, ceux qui produisent les idées et ceux qui sont censés les mettre en œuvre, ceux qui sont censés d'abord prendre des décisions politiques, c'est important, et ceux qui sont censés les appliquer, ceux qui sont censés les vulgariser, nous, et la base qui est censée les vivre. Alors c'est cette mécanique là où il est qui nous fait défaut, et cette mécanique où il est, pour l'avoir, il faut, encore une fois, on revient sur ce terme sacré, il faut un consensus. Quand il y a un consensus, tout le monde sait que nous allons en ville à partir de l'IMT ici. Tu ne peux pas prendre Kianza et université pour dire je vais en ville. La ville est devant nous. Oui, vous comprenez. Merci beaucoup, José Naouej. Il nous reste autour de 20 minutes pour construire cette deuxième question. On n'a que deux questions aujourd'hui. Alors, John Ngomboa, oui. Nous avons parlé des penseurs. Nous avons dit, et je crois que le mérite de ce soir, c'est que nous sommes quand même flagellés. Nous, la presse, nous devons restituer à chaque composante son statut et son rôle. Vous êtes professeur d'université, vous l'êtes. Mais quand vous êtes chef de parti politique, vous ne l'êtes pas comme professeur. Et quand vous agissez comme un acteur politique, on ne peut pas dire le professeur Willy Kalengai. Ça devient de l'imposture. Oui, et même de l'escroquerie intellectuelle. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Parce que vous allez, les gens, ceux qui sont vos étudiants, ils peuvent vous combattre sur le plan politique, mais ils ne peuvent pas vous combattre sur le plan scientifique. Alors qu'est-ce que ça devient? Oui, voilà, je voudrais d'abord constater que aujourd'hui, l'espace de survie nationale est réduit à la politique. C'est pourquoi cet espace politique est envahi par des animaux de tous bords. Donc ça devient une forme de jungle. Ça devient une forme de jungle. Il faudrait donc assainir. Je ne suis pas contre l'implication de tout citoyen dans la politique, mais il est nécessaire d'assainir cet espace
politique en identifiant clairement qui y intervient et pourquoi. Ça va nous permettre justement d'éviter les sens doubles des acteurs ou de leurs messages. C'est très important. Alors, mais ça veut dire que, en même temps, on doit aussi valoriser les autres espaces des vies. C'est-à-dire que un penseur, il ne doit pas se gêner d'être un penseur. Il ne faut pas qu'il ressente le besoin de se présenter à la candidature. Voilà, exactement. Pour manger un peu, il faut qu'il ait un kananga. Voilà, dans son village. Il faudrait valoriser les autres espaces. Je ne parle pas de Frédéric. Il faudrait donc valoriser les autres espaces. Et pour terminer, dans un pays comme le nôtre, je pense que la presse ne peut pas se cantonner dans une posture de reproduction de discours. Nous sommes. Bon, c'est vrai que nous sommes aussi un peu, il y a une pierre à nous jeter, mais on est quand même parmi ceux qui sont les plus au fait des choses et qui n'avons pas les mêmes contraintes que les autres pour en parler, pour indiquer le chemin. Je pense que dans un pays comme le nôtre, nous devons avoir ces sursauts nationalistes parce que nous risquons de perdre ces pays. Et on aura beau rappeler les questions des références de la SUEL, on aura beau rappeler tout cela, mais nous aurons perdu un pays. Alors, il est très important que nous nous engageons pour la République, nous engageons pour la promotion des valeurs. D'ailleurs, perdre un pays, ce n'est pas une fiction. Hein? Si on vous a dit qu'il y a 2 millions de Syriens aujourd'hui qui sont en Europe sur les routes de l'immigration, il y a quand même un pays qui a été perdu là. Voilà. Vous avez fini? Oui. D'accord. Alors, Bruno Bolisson, toujours sur la même question, penseur politique, activiste scientifique et quand même un peu maître spirituel, parce que les spirituels aussi ont un rôle à jouer, les maîtres de nos foies. Hein, parfois, on les voit dans d'autres secteurs où ils n'ont peut-être pas la compétence, mais parce qu'ils parlent quand même au nom de Dieu parfois, on a tendance à reculer. Merci Willy. À partir du moment où nous considérons que ce plan de développement à l'horizon 2030-2035 de la République peut constituer un consensus autour duquel tout le monde peut se mettre d'accord, chacun maintenant a son rôle à jouer. D'abord, pour la classe politique dirigeante, elle doit s'approprier véritablement et sincèrement de ce plan qui constitue un patrimoine désormais pour le développement du Congo. Et chaque acteur, je dis bien chaque dirigeant, doit se référer autour de ces plans pour réajuster son action. Ça va déjà nous faire avancer. Aux acteurs politiques, c'est-à-dire aux politiques, aux gestionnaires des partis politiques, ils doivent avoir toujours la vision de la grandeur. Ne cesser de penser aux partis politiques comme un ligablo, comme une boutique dont les membres sont incapables de remplir par exemple une cabine téléphonique, mais les membres se recrutent dans la famille, dans les clans ou à la limite dans la province, encore que maintenant il y en a 26. L'excuse peut passer, mais c'est très dangereux quand on raisonne tribu, on raisonne famille, on raisonne province. Ce qui fait que même les partis politiques ne sont plus de véritables laboratoires de propositions de solutions ou de propositions de pensées, mais ça devient juste des plateformes pour accéder au bonheur dont a fait allusion John tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et les intellectuels doivent également approprier le plan en multipliant le nombre de publications. C'est un plan qui est construit. On a présenté peut-être sur 4 pages, c'est un résumé. Mais sur ces 4 pages, on peut extraire des pensées susceptibles de produire 80-50 livres. Qui dans le domaine agricole, qui dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du logement, dans le domaine des transports et communications, ça doit être une référence. Et cette référence-là, entendue comme un consensus, ça doit aider chacun à développer dans son domaine, dans sa sphère d'activité, pour que véritablement le Congo soit émergent à cet horizon-là. Sinon, nous allons continuer à chanter comme on a chanté agriculture, développement, priorité. Ça fait plus de 25 ans qu'on chante. Ouais. Et j'ai discuté dernièrement, je crois la semaine dernière, avec quelques amis qui sont candidats gouverneurs. Quand je demande un peu leur programme, la plupart, en tout cas, quasi totalité, c'est agriculture, développement, priorité des priorités. Mais est-ce que quelqu'un qui a l'insécurité, qui vit dans l'insécurité à Rutshuru, il a besoin de ces discours-là, agriculture, développement, ou il a besoin qu'on lui amène des engrais pour savoir comment il va développer son élevage. Voilà. Donc ça, c'est très important. Quoi. On doit rendre des choses beaucoup plus... Et à la presse, je suis d'accord avec John, que la presse ne doit pas être
un service coupillon. Encore, quelle presse? Quelle presse? La presse doit savoir, nous les journalistes devons savoir que les politiciens ne nous aideront jamais à nous organiser. Jamais. Parce qu'une presse forte peut constituer même une menace, dont a parlé tout à l'heure, je crois, José ou Freddy, contre les intérêts des hommes politiques. Et donc, c'est à la presse elle-même de se doter les moyens de son indépendance, de sa noblesse et de son développement. La presse peut également produire des publications allant dans le sens d'enrichir ses plans. Et nous, là, nous attendons beaucoup des dirigeants des unités de presse que nous sommes, que vous êtes, mais aussi des amis journalistes qui ont traversé juste la rivière pour se retrouver de l'autre côté de la classe politique. Ils sont pleins dans le Parlement, par exemple. Ils doivent donner l'exemple qu'ils sont productifs là où ils sont. Sinon, ça va accréditer la thèse de John de tout à l'heure que la politique est devenue juste... là où on se cache pour se faire de l'argent rapidement. Et ça doit aller jusqu'à la base, j'insiste. J'ai dit que le plan doit être vulgarisé, Willy, parce que compte tenu du déficit de l'accès aux médias, les acteurs, les intellectuels, les opérateurs politiques, la classe dirigeante doit faire un effort pour rendre ce plan disponible à l'ensemble de la population, aux étudiants, aux écoliers et aux intellectuels. Ça doit être interpénétration, d'échange d'expérience pour que ça soit véritablement ce consensus-là autour duquel nous devons bâtir notre Congo de demain. Merci vraiment, merci. José, vous aviez... Juste un petit mot. Oui. Là où on est un peu... Il est un peu malaisé de conclure ce genre de débat, c'est que parfois ça nous ramène à l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui vient avant? Et le problème que nous posons aussi, c'est ça. Est-ce que le pays est structuré? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs qui existent vraiment? Parce que la presse, ce n'est pas le quatrième pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Tout pays a besoin de contre-pouvoirs. Le monde associatif, les syndicats, c'est autant de contre-pouvoirs. Mais ces contre-pouvoirs ne jouent un rôle positif, y compris dans la critique, que s'ils s'abreuvent au même consensus. Vous comprenez la difficulté que nous avons. En d'autres termes, nous avons deux types de problèmes. Nous avons la démocratie dite représentative. Pour faire court, nous élisons, les élus nous représentent. La démocratie représentative, du sommet à la base. Mais cette démocratie représentative, par rapport à nos réalités, parce que nous devons toujours rester dans nos réalités, rester chez nous, devrait se doubler, c'est peut-être notre champ de réflexion, de ce qu'on appelle la démocratie participative. Parce que sans démocratie participative, nos élus, là, dès qu'ils se sont embourgeoisés, ils oublient tout. Et sans rentrer dans les débats des personnes, nous y sommes. Vous voyez tous nos élus, à tous les niveaux, quelqu'un qu'on a élu, la première chose, il quitte d'abord le quartier où on l'a élu. Parce que ce quartier ne correspond plus à son standing. Il veut échapper, vous comprenez. Alors comment il peut représenter des gens dont il ne vit plus la réalité? C'est une question fondamentale. Et donc, ce plan, n'importe quel plan de développement, pour qu'il prenne dans le pays, il faut que les différentes strates sociales participent, croient d'abord en ce plan et y participent. Et la démocratie représentative nous permet... par ces mécanismes d'interaction entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés par tous ces corps intermédiaires qui participent à l'exercice du pouvoir au sens norme du terme et qui participent à la gestion de la cité, eh bien, ça nous permet finalement de vulgariser ce consensus national. Je voudrais finir, Willy, par un politologue que j'aime beaucoup, c'est Pierre Rosavallon. Lui parle de la contre-démocratie. Nous avons la démocratie qui est formelle, mais cette démocratie-là, qui consiste à élire les gens comme nous les élisons ici, sans savoir nécessairement pourquoi nous les faisons. Et c'est un autre sujet, nous discutons beaucoup avec Freddy de ces choses-là. Est-ce que cette démocratie, nous l'avons définie, nous, comme une nécessité sociale? Cette démocratie-là, dont nous parlons comme ça, théoriquement. Quand nous sortons d'ici, la maman qui vend la chikwang, est-ce qu'elle en comprend quelque chose? Est-ce que le moment n'est-il pas venu de faire comprendre à cette maman-là que voilà, la démocratie, de manière concrète, veut dire ceci, veut dire cela? C'est autant
de questions qui cadrent parfaitement avec l'idéal que nous recherchons. Parce que si nous n'intégrons pas toutes ces questions-là, si nous considérons notre société comme elle est déjà bâtie, comme elle existe, nous avons parlé de la République autrefois, de l'État, etc. Si nous considérons ça comme des acquis, là, notre réflexion devient seulement relève de la masturbation intellectuelle. Par contre, si nous nous disons, en même temps que nous réfléchissons comme ça, créons les mécanismes pour redéfinir les concepts originels. La République, elle est à quel niveau? Comment l'améliorer pour que tout le monde se sente concerné par cette République, parce que c'est une République? L'État, il est à quel niveau? Embryonnaire ou quoi? Comment faire en sorte que cet État concerne effectivement tout le monde, qu'on ne dise plus non, ça c'est l'État. En d'autres termes, ça ne me concerne pas. Alors que l'État, c'est nous tous. Mais l'État, c'est nous tous, c'est théorique. Mais pour que le Congolais lambda sente qu'il incarne l'État, il faut qu'il ait le sentiment d'être pris en charge. Vous comprenez? Je crois que c'est vraiment important. Oui. C'est important et je crois que nous allons atterrir dans cette émission, mais je voudrais quand même à ce niveau de débat faire un petit point. Nous avons dit tout à l'heure, et je crois que l'un de notre nous a rappelé, que l'on peut parler des hommes, on peut parler des événements, on peut parler des idées. Mais en parlant des idées, on arrive à faire avancer la société parce que celles-ci sont dépersonnalisées et sont à consommation gratuite. Et permettent à ce que nos sociétés puissent avancer. Alors, évidemment, vous vous rendez bien compte que chacun de nous doit travailler. Chacun dans son compartiment. Les chefs de l'État jusqu'au dernier des citoyens, chacun a sa musique à jouer pour non seulement vulgariser les plans stratégiques de développement, mais pour qu'on soit simplement des citoyens dignes de ce pays. Alors, chacun de vous a une minute, peut-être pour résumer cette émission qui n'est pas terminée. Vous vous rendez bien compte que l'espace républicain est à ses débuts. Aujourd'hui, nous venons de soulever effectivement les contradictions que nous véhiculons par rapport au mélange des genres. Si demain déjà nous pouvons changer, ne fût-ce que par rapport au genre, que les politiques, ce que nous mettons devant nous, puissent respecter les statuts et les rôles, nous allons déjà faire un grand pas. Alors Freddy, vous avez la parole, et Bruno va la prendre, et puis John, et puis nous continuerons par José. Une minute. Oui, la fois dernière, on a parlé des exemples de pays qui ont réussi. On a parlé de la Corée, j'ai parlé du miracle de l'Asie de l'Est. Dans ce livre de Paul Kennedy, Préparer le 21e siècle, Paul Kennedy explique que les Africains sont perdants. Ceux qui sont gagnants, ce sont les pays de l'Asie. Donc l'Afrique n'a pas d'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ces pays sud-africains, sud-asiatiques, ont réussi leur succès. Ils donnent quatre éléments. Le premier élément, c'est l'accent mis sur l'éducation. Or, chez nous, nous tuons l'école. Même si l'école existe, nous reproduisons les pensées des autres. L'université est abandonnée, on ne peut pas faire un développement sans université. Très bien, allez-y. Deuxième élément, dans ces pays, on a trouvé que le niveau d'épargne était très élevé. Quand nous venons chez nous, on n'a pas cette culture d'épargne, on a une culture de la cueillette. Dès qu'on a un peu d'argent, on dépense tout. On ne sait pas garder quelque chose pour demain. Or, pour investir, il faut épargner. Par contre, on va chercher l'argent à l'extérieur, s'endetter. Ce n'était pas le cas avec les pays sud-asiatiques. Troisième élément, c'est la croissance économique qui a été accélérée grâce à des institutions fortes. Donc, l'État existe. Mais quand nous venons chez nous en Afrique, et au Congo en particulier, vous savez comment ça se passe. Donc, il faut travailler pour qu'on ait un État fort qui prend des décisions et que ces décisions doivent être respectées par tout le monde. Que l'étoile ne soit pas un État patrimonial ou bien individualisé. Donc, il faut dépersonnaliser tous les débats. Quatrième élément qui a expliqué à ce que les miracles de l'Asie asiatique, c'est ces gens ont la volonté de travailler pour exporter. Chez nous, aujourd'hui, on exporte quoi? Les matières premières, simplement. Mais là-bas, on fabrique parce qu'on a beaucoup investi dans de nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous avez iPad, Samsung, c'est maintenant 7e génération. Alors qu'en 1960, la Corée du Sud
avaient le même niveau de revenus comme les Ghana. Oui. Aujourd'hui, c'est, on peut parler 30 fois plus. Donc nous devons pas copier, voir comment les autres nous ont inspiré. Merci beaucoup. Et s'inspirer très rapidement. Sinon, vous voyez l'Haïti, 200 ans d'indépendance. Il est nulle part. Et de démocratie. Bruno Mbolison. Ouais, c'est pour cette raison que je voudrais lancer un vibrant appel à la classe politique, à la classe dirigeante, aux intellectuels, à la presse et aux masses laborieuses de ne pas entretenir une image catastrophiste de l'avenir du pays, mais de croire et de voir grand, parce qu'il est possible que ce Congo d'aujourd'hui, peut-être au rez-de-chaussée, devienne demain dans le 4e, 5e, 6e étage. Ceux qui ont enregistré des progrès exponentiels n'ont pas été dirigés par des miracles. L'Afrique du Sud est là, la Corée est là, le Ghana est là, l'Égypte, le Maroc. Donc le Congo peut aussi arriver à gravir rapidement des échelons pourvu que tout le monde mette sa main dans la pâte et qu'on trouve un consensus essentiel pour les merci de votre optimisme. Merci Freddy. J'avais commencé à avoir peur en entendant les discours durs de Freddy, mais importants aussi. C'est la vérité. Merci. John. Oui, dans la même lignée, je suis convaincu que l'Afrique représente quand même l'avenir de l'humanité. Rien qu'à voir l'attrait que le continent a sur les restes. Parce que c'est l'avantage d'être encore un continent vierge. Il fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de convoitises. Et au cœur de l'Afrique, vous avez le Congo. Et il est très important que nous comprenions ce rôle. En réalité, le Congo, la RDC, je veux dire, va devoir jouer un rôle de régulateur pour l'humanité. Demain, on ne sera peut-être pas là, mais nous avons ce rôle-là, ce rôle moteur de réguler le développement de l'humanité. Alors, il faut que nous saisissions cette chance. La saisir, c'est d'abord par la prise de conscience. Nous sommes quand même les seuls à ne pas comprendre la valeur que nous représentons. Et c'est étonnant. Donc, lorsque vous placez dans cette perspective, tout devient clair subitement. Et les querelles byzantines sont du coup effacées et vous avez une grande perspective pour la nation et pour les pays. Moi, je voudrais que nous nous situions là-dedans. Voilà. Merci vraiment, John. Ça, c'est un philosophe, il en est né aujourd'hui. Hein? Oui, parce qu'il m'a retiré de ma bouche la prise de conscience. Mais une fois qu'on a pris conscience, vous savez, la prise de conscience, la difficulté que nous avons souvent, c'est de ne pas mettre du contenu dans nos concepts, dans nos mots. Si nous commençons à mettre le contenu, nous disons prise de conscience, on y met le contenu. Nous disons émergence, on y met. Quand on met le contenu, ça signifie que c'est un comportement nouveau qui commence. Parce que sinon, on va parler, mais rien de concret. Ce que je voulais dire en complément à ce que John vient de développer tout à l'heure, en guise de conclusion, c'est que finalement, la fois dernière, nous avions parlé de la République. Aujourd'hui, je crois que nous avons une autre notion importante. On a parlé d'homme d'État la fois dernière. Aujourd'hui, on peut parler d'une autre notion qui est importante parce que nous sommes dans la locomotive. La locomotive, un pays a besoin d'une locomotive. Dans cette locomotive, nous y mettons d'abord ceux qui ont la décision politique. Je ne les appelle pas politiciens, parce que les politiciens, ils courent, ils veulent séduire, pas nécessairement convaincre, mais je les appelle hommes politiques. Les hommes politiques, c'est ceux qui conduisent. Les hommes politiques sont à la masse, c'est que l'élite est à la même masse. En d'autres termes, il nous faut des éclaireurs en politique, ils s'appelleront hommes politiques, en ce qu'ils doivent tracter les autres comme des wagons, mais des wagons conscients. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle l'élite intellectuelle. Cette élite intellectuelle, si elle n'est pas une espèce de phare, elle n'est plus élite. Si elle n'éclaire pas la voie à suivre, elle n'est plus élite. Elle doit dépasser. Merci beaucoup, José. Merci aussi à tous les amis d'avoir participé à ce deuxième numéro de Espace Républicain.
nous construisons quelque chose. Mais qu'est-ce que nous construisons? Nous construisons l'intelligence stratégique. Nous essayons, ensemble avec les amis, de titiller vos consciences pour que nous arrivions, nous tous en tant que Congolais, à nous connecter à cette énergie vitale de transformation sociale. Nous pensons que cette émission vous aura aidé tant soit peu à prendre conscience d'une et d'une seule réalité. C'est dans une grande perspective que tout s'éclaire. Si vous n'avez pas une longue perspective sur l'avenir de votre pays, eh bien vous allez marcher en regardant sous le sol et en mangeant toute la poussière de la route. En regardant très loin, on peut éviter même les trous qui viennent. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cet espace républicain. Nous voulons le construire avec vous. Nous le construirons grâce à vos apports. Merci aussi aux amis. Nous allons nous retrouver certainement pour un prochain numéro. Vous avez compris, nous descendons progressivement jusqu'à la citoyenneté. D'abord, nous sommes dans la République elle-même comme cadre, mais demain, nous reviendrons dans la citoyenneté comme réponse de l'homme par rapport à la République. Au revoir et à la prochaine.